Le Norvégien John Foss, prix Nobel de littérature, les derniers jours de Vincent Van Gogh au musée d'Orsay et la sublime collection mode d'Azzedine Alaïa. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Bouleversé et quelque part effrayé, les mots de l'écrivain norvégien John Foss après avoir reçu le prix Nobel de littérature. Il succède à Annie Ernaux, lauréate 2022. À 64 ans, John Foss figurait parmi les favoris des parieurs, tentant chaque année de prédire le vainqueur. L'Académie Nobel a salué ses pièces novatrices et sa prose qui donne voix à l'indicible. Nabia Makloufi nous en dit plus. Entouré de montagnes et de fjords, John Foss faisait route vers la côte ouest lorsque la nouvelle lui est parvenue. Finalement, je suis moins impressionné que je ne le pensais. Je ne m'y attendais pas, même si c'était en discussion depuis 2013. Donc je m'étais en quelque sorte préparé. Mais ensuite, 9 années ont passé et pas de prix. Donc je n'y croyais plus. Une consécration pour l'écrivain de 64 ans. John Foss est tout à la fois romancier, essayiste, poète et dramaturge. Ses pièces de théâtre au style très particulier, avec une écriture minimaliste, une intrigue réduite au strict minimum et des personnages sans nom, sont jouées dans le monde entier. Il est l'un des dramaturges les plus reconnus et les plus joués de notre époque. Il a également été acclamé pour ses romans, ses récits et sa poésie. Selon le journaliste et écrivain Alexis Broca, le jury du Nobel récompense dans le même temps un écrivain de la région. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles il était le favori. D'abord, ça faisait très longtemps, que ça faisait depuis 2005 et le prix Nobel du Britannique Harold Pinter, qu'aucun dramaturge n'avait eu le prix Nobel. Et ça faisait aussi 12 ans qu'aucun nordique n'avait eu le prix Nobel depuis celui qui avait été donné au poète Thomas Tranströmer. Le jury Nobel revient à d'anciennes habitudes qui tentent à favoriser des écrivains de la région, puis des écrivains européens. Mmh. John Foss écrit aussi l'histoire avec un grand H. Depuis 1928, aucun Norvégien n'avait obtenu la prestigieuse récompense. Van Gogh à Auvers-sur-Oise, une exposition qui nous transporte là où le peintre a vécu les dernières semaines précédant son suicide. Une période particulièrement prolifique pour l'artiste. En 70 jours, Vincent Van Gogh a peint plus de 70 tableaux. 45 d'entre eux sont en ce moment exposés au musée d'Orsay. À Auvers-sur-Oise, Van Gogh peint frénétiquement, 1 à 2 tableaux par jour. Pourtant, très vite, plusieurs détails de son travail intriguent beaucoup son médecin, le docteur Gachet. D'abord, les touches de ses peintures sont excessivement épaisses. Et puis, il y a ces grands formats vides, sans présence humaine. En fait, Vincent Van Gogh se sent seul et broie du noir. Sa palette se transforme, les bleus, de plus en plus sombres, envahissent tout. Il y a une espèce d'association à la fois à un sentiment diffus de mal-être et à la couleur bleue, la couleur du blues, et qui va donner à toute cette œuvre d'Auvers une espèce de note bleue dominante. Pas la peine de se mentir, à Auvers-sur-Oise, Van Gogh a emporté ses vieux démons dans ses bagages. Sa bouteille d'absinthe, mais pas seulement. À l'auberge Ravoux, dans sa chambre du deuxième étage, il a accroché cet autoportrait qui le représente à son avantage. Car son reflet, inversé dans le miroir, cache son oreille coupée. Dans la tête de Van Gogh, tout est compliqué. Regardez dans son dernier tableau, même les racines sont torturées. Et c'est ce jour-là que le peintre part dans les champs pour se donner la mort. Aujourd'hui, 133 ans plus tard, le portrait en bleu de Van Gogh reste une icône indéboulonnable dans la tête de ses nombreux fans. Azzedine Alaïa, immense couturier, sa passion pour la mode l'a aussi amené à devenir un grand collectionneur. Tout au long de sa carrière, il a rassemblé pas moins de 20 000 pièces. Un hommage aux créateurs et créatrices qui l'ont inspiré. Une partie de cette collection est présentée en ce moment au public au Palais Galliera. Aussi somptueuses les unes que les autres. Ces pièces d'exception, secrètement gardées par Azzedine Alaïa, se dévoilent ici, au musée du Palais Galliera. 140 pièces au total, une collection de prestige. Oui, nous,
On connaissait cette collection. C'était déjà presque une légende. Mais on ne pouvait en imaginer la qualité et l'ampleur. C'est ce qui la rend encore plus intéressante. Nous voulions profiter de l'occasion pour reconnaître son travail et sa contribution à l'histoire de la mode en France. Née à Tunis en 1935, Hasdine Alaïa s'envole pour Paris dans les années 50. Obsédée par la perfection de la coupe et des formes, il aimait sublimer les femmes, à l'image de Naomi Campbell ou encore Madonna. La sculpture, c'est une chose en tourne autour, c'est un volume. Oui. Pour moi, le vêtement, c'est pareil. Donc, ça tourne autour du corps. Et il est parfaitement en phase avec la femme. Le corps et le vêtement ne font qu'un. Une esthétique inspirée de celles et ceux dont il admirait les œuvres. Alaïa n'aimait pas fatalement conserver tous les vêtements qui étaient des espèces de grands phares de la mode, mais plutôt les pièces qui étaient symboliquement plus hors du temps. Il y a beaucoup de vêtements noirs parce que dans le noir, l'architecture des vêtements est plus présente. En 1968, Balenciaga ferme brutalement les portes de sa maison. C'est à ce moment-là qu'Hasdine Alaïa entreprend sa collection de mode. Il a été invité par Mademoiselle Renée, c'est elle qui dirigeait la maison au quotidien. Elle l'a invité à venir récupérer des robes, des tissus. C'était dur pour lui de voir les créations de cet homme qu'il admirait tant dispersées ici et là. Il y avait ce risque de voir son souvenir disparaître. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé qu'il devait faire quelque chose et il a commencé à collectionner Balenciaga. Il met ainsi à l'honneur Chanel, Christian Dior ou encore Schiaparelli. Les noms de grands couturiers qui l'ont précédé, mais pas seulement. Alaïa tenait aussi à rendre hommage aux créateurs quelque peu oubliés, des femmes. Essentiellement. Madeleine Vionnet est vraiment celle qu'il estimait au plus haut. C'est vraiment une grande virtuose de la technique, mais c'était vraiment quelqu'un qu'il plaçait plus haut que tout. C'était une mode des années 20 et des années 30, faite de robes mouchoirs et de robes vraiment dans un style aussi néoclassique parfois. Et c'est vraiment un nom pour lequel il s'est engagé dès les années 80. À sa précieuse collection, Hasdine Alaïa avait ajouté trois costumes de l'artiste Matisse, conçus pour le ballet russe en 1919. Son héritage est celui de ses pères. Le grand couturier a veillé à le confier avant de s'en aller. Il s'est éteint en 2017, à l'âge de 82 ans. C'est le plus grand des voleurs et il collectionne désormais les vues sur Netflix, plus de 70 millions de visionnages dans le monde depuis la saison 1 en 2021. Arsène Lupin est de retour, l'occasion pour les fans de retrouver Omar Sy, démasqué et en cavale. Lupin est désormais l'un des hommes les plus recherchés de France. On se quitte donc sur des images de cette troisième partie. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et à très vite. Je viens de recevoir un message de ma mère. Viens ce soir, amène la perle avec toi. Donc quelqu'un, ma mère, si je m'exécute pas, ils vont lui faire du mal. Cette fois, il s'agit de tester tes limites. Et de savoir ce qui compte vraiment pour toi. Attendez, je vais le recoller. Vous avez de la colle forte? Je suis assez adroit, ça se verra pas.